Salut à tous et bienvenue sur la taverne des casus. On commence en pleine action avec un chasseur d'intercepteur taille, pardon, sur la planète Sulust, il me semble. Pas du tout, c'est pas Sulust, j'ai oublié une planète, autant pour moi. On joue donc l'Empire contre les rebelles. C'est parti, il y a un chasseur juste ici. Voilà, Edin. Oula, un autre vient de passer juste là. Oula, je viens de prendre un gros missile. Mais c'est pas grave. Où est-il? Voilà. Hop, je mets dans le bain un peu, j'ai juste d'arriver du boulot. Zut. Et ben on va l'esquiver, voilà. Vous l'avez tous vu, la petite boule rouge passer à côté de moi. C'était une belle esquive. Enfin, j'espère. Petit A-Wing qu'on a juste en face, super maniable, super rapide. Oula, il est passé juste au-dessus de moi. Ah bah oui, je l'ai pris en pleine tête le missile. C'est pas grave, le son est un peu fort. Je vais me permettre de régler pendant que je filme, rapidement. Hop, et c'est reparti. Chasseur taille pour changer, hein. Je vois pas trop la différence. Je pense que l'intercepteur est plus rapide et moins résistant, je sais pas. Que le chasseur, c'est vraiment la base de la base, hein, de chez les Thaï. Ok, je suis déjà poursuivi. Ça commence bien. Il est pas mort, lui. Ah si, il était mort. Autant pour moi. Mais non. Hop. Il y a un X-Wing juste au-dessus. On va essayer de le finir. Bon, il était déjà mort. Oula, j'ai pris une tête chercheuse de A-Wing, ça fait mal. On va donc reprendre l'intercepteur. Hein. Oula, il y a 4 personnes qui sont en train d'attaquer notre transporteur. Il va être temps de faire le ménage. Ok, il est passé. C'est pas de ma faute, mais il est passé. Oh là là, il m'est rentré dedans. C'est pas gentil, ça. Ces gens qui n'hésitent pas à se suicider, hein, des vrais japonais. En tout cas, c'est une moins belle partie que la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, quoi, la dernière que j'ai publiée il y a quelques jours. Le gars qui n'a plus aucune notion du temps. Où est-il ? Eh bien, le A-Wing, il fait mal. Intercepteur, c'est reparti. J'ai un peu de lag, en plus, je sais pas trop d'où ça vient. J'espère que pour vous, c'est plutôt net. Parce que ce serait très moche, sinon. Ils sont bien plus que nous, donc je vois plein de points rouges et pas des masses de points blancs. Ok, lui, je pense pas qu'il soit mort, le A-Wing vient de passer. Bon, tant pis. J'ai un peu de mal à me fixer sur une seule cible. Ok, là. C'est compliqué de survivre dans cette bataille. Il y a beaucoup de rebelles. Mais on n'est pas là pour se plaindre. En plus, leur transport est presque détruit. Avec un peu de chance, on va le détruire. Oui, on l'a détruit. Ça, c'est une belle équipe qu'on a. On a un beau chasseur en face de nous qui refuse de mourir. Ah bah oui, et moi j'ai pris un missile de la part d'un A-Wing. Mais on a quand même remonté un peu les points. Bon, il était déjà mort, du coup j'ai un peu gâché mon missile. Tenter d'aller aider mon camarade qui est poursuivi par un X-Wing. Et oui, malheureusement,
Mon camarade a dû le liquider. Bon, c'était un peu du ramasse-merde ce que j'ai fait, mais peu importe, j'ai sauvé un camarade. Enfin, j'ai agrandi son espérance de vie. Il est mort? Oui, il est mort. Si le gars a explosé, que j'ai eu les points, il y a des chances pour qu'il soit mort. Donc c'est fou ce qu'il y a comme X-Wing fumant en ce moment. Voilà, petite esquive. Ça, il y a des X-Wing partout, c'est hallucinant. On a quand même perdu. Mais je pense pas qu'avoir fait un score si misérable que ça. Bon, c'était un de plus. Bon, c'est juste qu'on était mauvais, hein. Bon, en fait, si j'ai fait un score misérable. Du coup, on va vous montrer qu'on peut faire mieux. En tout cas, on l'espère. Ah, on n'a plus le bonus de Noël, j'ai l'impression. C'est ça. Du coup, on va gagner beaucoup moins de points. Je crois même qu'ils offraient dans les 10 000 crédits pour Noël, un truc comme ça. Du coup, j'aurais pu m'acheter des tonnes de trucs, mais je le garde pour le niveau 40 pour pouvoir acheter des skins de personnages extra-humains. Enfin, non-humains plutôt. Puisqu'ils s'intéressent dans cet univers, tout le monde l'est, hein, il n'y a pas un seul terrien. Mais il y a des humains. Petit chargement un peu longuet, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on joue les rebelles. Vous pouvez voir que je joue la batteuse avec les rebelles, hein. Hop, on est parti. Sur une planète volcanique, bah, la même que tout à l'heure en fait. Cette fois-ci, je prends le A-Wing. C'est parti. Oula, oui, non, j'ai pas le boost. Donc, moi, je pensais avoir l'accélération. Mais pas du tout. Tandis que ce chasseur que je vois. Voilà, est en train de prendre de l'altitude pour aller retomber sur mes alliés. Alors, il est là. Voilà, personne n'est derrière moi. Tout va bien. Ça, c'est... Ah bah oui, ah bah oui, j'affronte des tailles, oui, tout à fait. Voilà, comme je vous le disais précédemment, j'ai du mal à passer d'un vaisseau à un autre, c'est que j'arrive plus à connaître mes adversaires. Bon, je ne suis pas un taille, hein. Faut que j'arrive à me le dire. Ça, c'est un taille. Surtout que moi, j'aime bien l'Empire en plus, donc j'ai du mal à jouer contre. Là, vous voyez pas, mais je suis un peu du genre à tourner en même temps que mon vaisseau. Du coup, je tourne dans tous les sens, c'est pas très joli. Je vais me faire un torticolis, ça continue. Est-ce qu'il va l'avoir? Non. Moi, je... Bah si, il l'a eu. Sinon, moi, je l'aurais fait. Hop, un petit taille encore. Ça, c'est fait. Bientôt, avec le Kiloukoum, on va vous commenter des parties de Rainbow Six Siege. Pas qu'on soit fan de FPS, hein, mais plutôt qu'on est fan de casser des trucs. Voilà, on sentait des mecs réfléchis, avec un gros cerveau, tout ça. Ok, faut aller protéger le transporteur. Ça rapporte des points. Allez, passe devant. Bon, il a pas envie de passer devant, il semblerait. Bon, c'est pas moi qui l'ai eu, mais malgré le missile qui l'a percuté. Où est notre transporteur? Ah bah il est détruit. Très bien, très bien. Là, on est en plein nuage, on voit strictement rien. C'est pas mal fait. J'apprécie. Ok, j'ai eu une esquive pile poil au moment où le missile est parti. Oula, j'ai esquivé, enfin j'ai failli prendre un AWI. Où seuls nos réflexes nous ont empêchés de mourir. Ah bah oui. J'ai pris le tarif par l'intercepteur taille. Sauf si on va changer, un petit AWI pour le plaisir.
On domine de peu, enfin on domine, on mène de peu, 89 sur à 81, donc on a 8 points d'avance. J'entends les tirs siffler à mes oreilles. Ouf. Ça, c'est pas de l'esquive. Vous me direz ce que c'est. Non, j'entends quasiment rien, on dirait que je prends des G, c'est hallucinant. En fait, non, c'est juste des lags. Eh bien, que de kill à la suite. Ah zut. Je pensais pouvoir sauver mon camarade, mais pas du tout. Pas hésiter à faire des cabrioles pour aller chercher le kill. En espérant avoir esquivé le missile. Voilà, et ben non. Là, c'est pas. Oula, on a pris beaucoup d'avance par contre là. On a 8 points d'avance, on a passé à 40 points d'avance. C'est pas qu'il joue aussi bien de notre côté, mais c'est pas mal. Parce que oui, c'est pas moi. Hein. On s'approche doucement, pour l'instant il se passe rien. Bon, il a été liquidé, il semblerait. Bah lui aussi. Laissez-moi quelques-uns quand même, les gars. Partagez un peu. Hop. Le virage est serré quand même. Bon, je l'ai quand même eu. Franchement, ça flambe dans tous les sens. L'atmosphère est. Voilà. Un petit slavin, esclavin plutôt. En français dans le texte. Ah, ma victoire! Quand même! Bon, allez. On fait la belle. 12 minutes de jeu. On peut faire la belle. Si le jeu accepte, du moins. Oui! On a un Allemand ou un Hollandais dans les vainqueurs, ou pas du tout, hein, c'est juste un nom à consonance allemande ou hollandaise, je trouve plus mes mots. Hop, quelques petits crédits. Le crédit républicain, bien sûr. Les temps de chargement ont augmenté, le jeu était connu pour vraiment avoir pas de temps de chargement, et là depuis peu. Ça débarque dans tous les sens, hein, c'est long. Peut-être juste moi qui lag, mais il y a peu de chance quand même. Je suis à 4 mètres de la box. En wifi, vous vous demandez l'intérêt. Problème d'Ethernet en ce moment. Ah, campement de Jawa sur Tatooine. On rejoue l'Empire. Ah, alerte embuscade. Les rebelles se pointent. Je vais télécharger la bataille de Jakku d'ici peu. Ça, je pourrais vous montrer d'autres cartes. Parce que je pense qu'on a fait le tour des trois cartes disponibles. C'est-à-dire Hoth, celle qu'on a fait avant. Oula, je viens de jeter mon missile. Non, pas du tout, je n'ai pas jeté mon missile. J'ai fait autre chose. J'ai accéléré pour rien. Voilà, ça c'était. Par contre, c'était jeter un missile, ça. Ok, là il y en a un. Un de plus. X-Wing détruit, A-Wing détruit, à suivre. Ah, il y en a un là. Non? Non, il y en a un derrière. Ok. Heureusement qu'on ne peut pas cibler ses camarades, sinon ça aurait été embêtant. Bon, bah lui il est mort. Oula oui. Je viens d'esquiver la forceresse de Jabba. Quoique ça n'a pas à moi de ça. Ça ressemble pas trop à ça, ça le Jabba en fait. Oula oui, non, oula, bah vous avez vu qu'à quel point j'ai du mal à changer de cible. La preuve en est que je suis en train de tirer sur un taille. La fatigue peut-être aussi. Oula oui. L'X-Wing qui est arrivé par au-dessus. J'ai été percé de part en part.
On domine de 4 points. Ah, ils ont le Faucon Millenium. C'est pas cool, ça. Faire pencher la balance d'un des deux côtés. Bon, bah, ma cible vient d'être détruite. Mais il y a toujours une autre cible, de toute manière. Il est où? Bon, bah... Ah bah non, non, je l'avais esquivé, mais pas du tout. Bon, au moins le transporteur est bien endommagé. Ouais, mais là on perd, là. Là, on a du retard. Et il a encore 42 points de vie et 10 secondes. Bah moi, en tout cas, c'est pas moi qui vais aider, parce que je suis vraiment trop loin. 4 secondes, oui, non, c'est foutu. Il est passé. Donc, combien de points ça rapporte cette fois-ci? Je vais regarder. 4 points, juste? C'est fou. On entend dans la radio nos camarades dire des trucs, enfin l'ordinateur dire des trucs. Radio critique, tout ça, enfin bouclier critique, dégâts critiques et tout. C'est vachement immersif, on se croit vraiment dans une bataille spatiale. Oula, là par contre c'est de ma faute. J'en suis désolé. Pénétrator, bah tiens. Restons polis. C'est quoi ça? C'est un missile? Ah oui, c'est juste un missile, ok, d'accord. C'était tellement rapide, je crois que c'était un wing. On va se faire le boiteux là-bas. Tenter d'esquiver parce qu'on est poursuivi. Ouais, il me suivait, hein, il ne m'a même pas lâché. Il suffit que j'ai maintenu pendant 15 secondes la ligne droite et c'est les foutus. En plus, nous, ouais, non, c'est foutu, le spotter va se faire défoncer, ils sont au moins 5 derrière lui. Au moins tenter de sauver le camarade qui se fait tirer dessus. La vraie question, c'est qui viendra me sauver moi. Petit bruit, c'était celui de l'esclave 1. Petit bruit de laser assez ridicule, qu'on peut entendre pour la première fois dans La guerre des clones, Star Wars épisode 2. Ah bah oui, j'ai voulu essayer de me faire avec Faucon Millenium, mais bon, ça marche pas des masses. Franchement, il est vachement résistant, je sais pas vraiment quel intérêt de mettre un truc aussi balèze au milieu. Que bon, les héros c'est cool, mais bon là le truc il faut lui balancer des milliers de tirs je pense. Je me suis encore jamais appliqué en PT1, mais je pense que si je le fais, j'essaierai d'avoir... d'avoir la caméra prête pour vous montrer ça. Ah, on l'a perdu, mais j'ai quand même fait le X-Wing à la fin. Bon bah écoutez, 20 minutes de vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai encore fait un score complètement ridicule, mais à bientôt sur la taverne des Casus, et joyeuses fêtes. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous a plu. Salut, salut.